Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau carnet de lecture. Celui-ci ce sera le numéro 5. Je me suis complètement plantée sur ma dernière vidéo que j'ai appelée carnet de lecture 3 alors qu'un carnet de lecture 3 était déjà sorti. On sent que la fatigue était au programme la semaine dernière. Voilà. Donc celui-ci c'est le 5 déjà et j'en suis moi-même étonnée parce que en fait finalement j'en sors un par semaine quasiment. Mon rythme de lecture s'accélère, je suis plutôt... En fait, ça ne s'accélère pas, c'est je lis plus qu'avant. Ce qui veut dire certainement que je tricote un peu moins en ce moment. Mais c'est pas grave. Ou alors je fais du tricot zéro cerveau, pas mal. J'ai du mal à me concentrer sur des choses plus compliquées. Parce que la fatigue est là et la lecture me permet en fait de me... Voilà, de m'évader et de penser à autre chose. Voilà. Bref. C'est mon petit break. Alors, un petit topo pour commencer ce vlog. Je me sens beaucoup plus en forme. J'ai bien dormi cette nuit. Vraiment bien dormi. Mon pied ne m'a pas trop gêné. Même si... parce que je me suis pris un ordinateur, si vous n'avez pas suivi, je me suis pris un ordinateur portable sur le pied la semaine dernière. Dimanche, en fait. Dimanche soir. J'ai eu très, 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 très mal. Mon orteil est devenu noir. Là, il faut que j'aille, je vais quand même le montrer à mon médecin pour voir s'il faut que je fasse une radio. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste que ce soit pas trop bousillé à l'intérieur, quoi. Bref. Ah, mais c'est très agréable comme début de vlog. Voilà. Et sinon, à part ça, j'avais aussi une énorme migraine en fin de semaine. Ce qui fait que ça n'a pas été forcément évident de faire le montage. Mais j'ai réussi à faire le montage de mon dernier carnet de lecture. Et... mais là, ça va mieux. On va, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup nettoyé mon nez. Donc, c'est certainement lié en fait à des sinusites. J'ai des sinusites assez chroniques. Bah, ça me donne mal à la tête. C'est vrai que quand on a mal à la tête, on est dans un étau. On ne peut pas faire grand-chose à part essayer de dormir. Bref, c'était pas la grande forme. J'ai l'impression qu'en ce mardi matin, ça va un peu mieux. On va croiser les doigts très très fort pour que ce soit le cas. À la fin de la semaine, il y a mes parents qui viennent. Je suis trop contente. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Donc très très heureuse. Et en plus, c'est mon anniversaire. Et voilà. Donc bref. Des bonnes choses cette semaine s'annoncent en fin de semaine. Là, c'est boulot. Mais je prends 5 minutes pour vous dire quelle est ma lecture en cours, je n'en ai qu'une. Et c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. J'ai lu tout ça, il me reste à peu près 200 pages, je pense, ouais, parce qu'il y a 500 pages. J'en ai lu 299. Alors, on suit 5 protagonistes dans un univers fantasy assez classique. 5 protagonistes, une petite fille qui est chasseuse pour récolter, en fait elle va dans des sous-sols, c'est la première scène explique ça très bien, le premier chapitre la met en scène, et en fait elle est accompagnée d'une personne qui l'a achetée auprès de sa famille, mais sa famille était vraiment tout sauf intéressante, elle est assez heureuse en fait avec ce gars-là, et il l'a achetée parce qu'elle est rapide. Donc en fait l'idée c'est qu'elle aille titiller les démons pour les faire sortir de leur trou. Et elle, comme ça ils les capturent et ils prennent leur fumée avant qu'ils meurent. Et cette fumée c'est comme une drogue qui peut se vendre très cher et qui permet à eux deux de vivre. Ils ne l'utilisent pas, ils ne se droguent pas avec, mais ils la revendent auprès de l'élite, des personnes qui sont riches dans les différentes villes autour. Voilà, donc on est dans le royaume de Pitori. Là, ça se passe dans le royaume de Pitori. Et il y a un autre... il y a d'autres royaumes, en fait. Il y a plusieurs royaumes. Et donc la chasseuse, elle fait partie du royaume de Pitori. Donc je réfléchis. Ensuite, on a une princesse qui, elle, va se marier avec un des princes du royaume de Pitori, mais elle vient de l'autre royaume, qui est le... Oh là là, la mauvaise... Calidor. Le brigand. Elle vient du brigand, en fait. Donc, elle va se marier. Elle est secrètement amoureuse d'un de ses soldats, en fait, de sa garde.
mais son père et son frère veillent à ce que ce soldat, ils veulent l'attraper pour pouvoir le tuer, pour l'éloigner le plus possible en fait de cette princesse. Et elle sauve donc ce troisième personnage qui est un soldat très beau, parfaitement parfait. Et qui veut aller sauver la princesse parce qu'apparemment, bon, il va y avoir. Je vais pas tout vous raconter, mais il y a quand même des choses qui se passent dans le fait qu'elle se rende en Pythorie. Les royaumes sont ennemis. Voilà. Et notamment le royaume ici, en fait, quand on se retrouve sur la carte, il y a le Calidor et le Bréant ici se sont battus longtemps, ces deux frères en fait, les rois, et la partie de l'Abasque a été complètement détruite. Et ici, dans cette partie-là, il y a un proche du roi, non, un homme du roi du Calidor, qui est en fait un traître, et c'est notre quatrième protagoniste. Voilà, et c'est un traître, et donc il part en fait en Pythorie pour aller chercher le fils bâtard du roi du Calidor pour faire chanter le roi et mettre fin à voilà, à son trône. Et c'est notre cinquième protagoniste, ce prince qui ne sait même pas qu'il est le fils de ce roi, qui l'apprend et qui lui est un voleur. Un voleur. Voilà. Donc moi, je le lis dans le cadre du mois de la fantaisie organisé par Steph. On est dans la dernière vague, en fait, dernier grand thème, dernière grande catégorie. Et je suis dans la partie, je l'ai mis dans la partie romance. Effectivement, bon, voilà, il y a des romances comme je vous ai dit. Alors, je suis passée de l'ordre du contrevent à ça. Alors, c'est extrêmement, je dirais, c'est extrêmement léger. Ça me plaît, ça m'emmène, mais c'est vraiment, vraiment pas prise de tête, mais c'est pas génial. Je suis pas conquise totalement. Les personnages sont quand même, on s'attache aux personnages. Moi, la princesse et la chasseuse me plaisent bien. Les personnages masculins me plaisent moins. Je les trouve pas particulièrement ambroses. Là, le soldat, il m'insupporte assez, j'avoue. À la rigueur, j'aime bien le prince là qui est un petit peu paumé. Voilà. Mais on sent qu'il va être mené par le bout du nez par le traître. Et leur relation là, tous les deux, bon, elle est pas très intéressante, je trouve. Mais c'est mon point de vue. C'est sûr que. Bon, voilà. Là, il y a écrit derrière, incroyablement ambitieux, un trône de fer pour les ados. Alors, moi, j'ai pas lu le trône de fer, mais je l'ai vu en. Je l'ai vu. Je trouve pas ça aussi riche en termes de. Voilà, c'est très léger, il n'y a pas de description précise des différents royaumes. On est direct, on suit les personnages dans leur adolescence, dans leur jeunesse et justement dans les transitions amoureuses, on va dire, ou transitions de vie. C'est très léger. Mais ça se lit, je vais le terminer avec plaisir. Hein. Voilà, ça me tient. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais c'est plutôt sympa. Voilà avec quoi je commence. Alors, sinon, dans la partie, moi, de la fantasy, il me reste deux catégories à valider pour terminer le challenge. Il me reste une partie young adulte et une partie urban fantasy. Alors, pour être honnête avec vous, je commence à en avoir un petit peu marre de lire de la fantasy. J'ai beaucoup de livres dans ma palle, là, je la regarde parce que qui m'attirent, parce que j'ai envie de les lire, de lire autre chose. Donc je me questionne, là je suis dans une période de questionnement, c'est-à-dire quand j'aurai fini mon livre, qu'est-ce que je vais lire? Est-ce que je me dis que c'est terminé et que c'était déjà pas mal, hein? Je trouve que c'était quand même pas mal. Et puis, parce que j'avais décidé de lire Le Monde de Narnia ou Archigrid, mais j'avoue que. En revanche, le Maxime Chatham que j'ai mis dans la Urban Fantasy et qui en fait plus de la science-fiction, celui-là me plairait bien. Alors peut-être que je zappe la partie. Livre jeunesse, surtout j'en ai quand même lu des livres jeunesse, donc globalement je l'ai quand même validé aussi, même si un livre sur deux, deux catégories, bon pourquoi pas. Il n'y a pas de pression hein, sur ces challenges, on est bien d'accord, moi je ne me mets pas de pression, c'est juste du plaisir. Et puis bah, si je le valide pas complètement, c'est pas grave, hein, j'aurais déjà, je trouve que déjà franchement j'ai bien assuré et j'ai passé des bons moments lecture.
Donc, on va voir. Peut-être que je vais enchaîner directement avec le Maxime Chatham, voire lire autre chose avant. Je vous dirai ça. Pour le moment, je vais retourner à mon boulot. C'était juste pour ouvrir ce vlog. Je suis très contente d'être un peu plus en forme et j'espère que ma semaine va être sur le même élan. Voilà. De lecture, de plaisir et de soleil. Là, il y a du soleil. Donc, croisons les doigts pour que ça reste. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à tout à l'heure. Hello du mercredi soir. En direct de mon lit, en fait, je suis en train de me poser. Je vais continuer ma lecture. J'ai un petit peu avancé aujourd'hui. J'en suis à la page 374. Le milieu, j'ai trouvé ça un peu long. Mais là, depuis la page 350, il se passe à nouveau des choses. Il y a de l'action et j'ai bien envie de savoir. Voilà, j'ai bien envie de savoir la fin. Donc, je vais essayer de l'enchaîner un petit peu parce que j'ai envie de lire autre chose. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans ma projection pour les prochaines lectures, j'ai tourné ma palle pour la croisière littéraire au féminin, qui est le challenge organisé par Laura's Reading. Et je vous mets un petit i pour voir la palle si vous voulez la découvrir. Et puis, je vous remettrai en dessous. Dans la barre d'infos, le lien vers la présentation du challenge par Laura sur sa chaîne. Et j'ai très très hâte, avec toutes les lectures que j'ai prévues, de m'y mettre, quoi. Alors j'aimerais bien quand même terminer mon challenge, moi, de la fantaisie, et je pense que je reviendrai vous faire une petite vidéo pour vous dire quels ont été mes livres préférés du mois de mai. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, c'est repos et lecture et je vous retrouve un peu plus tard. Hello du jeudi. Il est 13h20. Mes garçons sont partis pour l'école. Et je vais essayer de me prendre un quart d'heure en fait pour vous montrer. J'ai eu une petite réception ce matin. C'est pas Amazon, c'est un colis Vinted. Et donc on va faire l'unboxing ensemble. Je sais ce que c'est. On va croiser les doigts cette fois. Si vous avez suivi mes autres carnets de lecture, ça va peut-être vous faire sourire. C'est un livre que j'ai acheté deux fois, quoi. Merci et bonne lecture. Je trouve ça toujours sympa quand il y a une petite attention. Je trouve ça chouette. Il est un petit peu emballé. Ah là là, on va croiser les doigts. Yes. Daisy Jones and the Six en version française. Oui, et franchement, il est en super bon état aux éditions Charleston. Il y a juste, il est un petit peu ouvert, corné là. Il y a des petites pliures, mais sinon, à part ça, je trouve vraiment nickel quoi. Il n'est pas abîmé, il est bien droit, il n'est pas corné sur les côtés, donc trop cool, un petit peu là, mais franchement pas grand chose. Yes, je l'ai et j'en parlais dans ma page. Je vous mets le petit i pour la croisière littéraire féminin. Donc voilà, j'ai très très hâte maintenant. J'ai très hâte de le lire. Trop contente. Normalement, en fait, j'ai cru que c'était un autre colis Vinted parce que j'ai fait un autre achat. Mais alors, c'était il y a un moment, genre le 14. Et c'est toujours pas arrivé, ça m'inquiète un peu. Il y avait trois articles dedans, dont deux livres. En fait, j'ai un petit souci avec mon... C'est un mondial relais. En fait, quand je choisis comment on dit, mon point relais, quoi. Quand on choisit mon point relais, il passe les frais qui sont censés être à 2,88 pour les petits colis à 4. Et en fait, après, il y a un relais UPS qui se met en place. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu n'importe quoi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour la suite si je suis obligée de changer point relais. C'est pas toujours cool, je trouve. Les livraisons Vinted, moi je sais que j'ai mis pas mal de choses sur mon Vinted, je vous mettrai, il y a toujours le lien en dessous. J'ai mis des bouquins là, enfants, et quelques habits enfants, il y aura aussi des habits femmes et des livres adultes. Mais je mets petit à petit parce que c'est du boulot. Et c'est vrai que quand moi je dépose pour les gens, il faut que j'aille à plusieurs endroits différents.
Donc, je trouve que c'est pas toujours pratique. Bon, bref, je suis trop contente d'avoir mon bouquin, c'est ce qui compte. Et voilà. Maintenant, j'ai hâte de le lire. Mais je vais terminer. Il me reste 40 pages de des voleurs de fumée. Et ensuite, je vous parle un petit peu de ce que j'en ai pensé. Juste pour vous dire que j'ai décidé là d'abandonner ma lecture audio du livre 27-11-63 de Stephen King. C'est un livre audio. J'ai dû écouter quoi? 5 heures. Et je pense qu'il en fait 35. J'avoue que j'accroche pas. Alors, c'est pas trop mal lu, mais j'accroche pas trop à l'histoire. Ouais, je trouve ça un peu compliqué. Je trouve ça. Je trouvais pas les personnages particulièrement attachants, intéressants. Et je crois que. Enfin, j'ai lu beaucoup de Stephen King et je crois que j'aime bien le lire plus que l'écouter. Voilà. Donc, ça fait un moment en fait que j'ai mes crédits Audible qui arrivent et ce livre qui ne se lit pas. Et donc, j'ai décidé là, la semaine dernière, en fin de week-end, je me suis dit, bon, franchement, vu j'ai dans ma bibliothèque déjà Tout le bleu du ciel que j'ai très envie de Mélina d'Acosta. Mélina d'Acosta? Mélissa d'Acosta, que j'ai très envie d'écouter. J'ai aussi une amie prodigieuse d'Elena Ferrante que j'aimerais écouter dans le cadre enfin en juin, quoi, dans le cadre de la croisière littéraire au féminin. Et j'ai également, j'ai quoi d'autre qui me tentait bien, je ne sais plus. Ainsi, un livre de Funkinos. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, j'ai décidé d'abandonner. Il y a des moments, hein, faut savoir abandonner. Ça fait juste 9,90 € en l'air, quoi. C'est pas grave, parce que l'abonnement Audible, c'est 9,90 € et on a un livre audio par mois. Moi, j'en achète pas plus que. J'en écoute pas plus qu'un. Et là, j'ai toute une réserve, donc du coup, bah, il faut que je les écoute. Voilà, donc dès que j'aurai choisi et que je vous dirai lequel j'ai choisi d'écouter, ce que j'en pense. Hello, du vendredi midi, un petit point parce que ce matin je suis allée chez Gilbert Joseph pour acheter en fait des petits cadeaux livres, notamment manga pour mon neveu qui fête ses 18 ans. Et donc 18 ou 19? 18, je crois. 19. Bref, c'est pas la question. Donc je voulais vous montrer ce que je lui ai pris. Et bien sûr, je me suis pris de petits trucs. Bah oui, voilà quoi, c'est pas. C'est du Gilbert Joseph, c'est un peu en promo, hein, un peu. Voilà, et du coup, je vais vous présenter aussi les deux livres que je vais offrir à mes parents qui viennent nous voir ce week-end. Voilà, ça sera cadeau lecture cette fois-ci. Alors, pour mes parents, là, je les ai achetés en fait en librairie, dans ma librairie. Donc, j'ai pris pour mon père, mais je me demande si je vous les ai déjà pas montrés. Je vais peut-être montrer déjà. C'est pas grave, je couperai s'il faut. Surface de Olivier Norek, qui a été recommandé par plusieurs personnes. Apparemment, c'est un de ses meilleurs. Alors moi, j'ai jamais lu Olivier Norek et j'avoue que j'ai très très envie de le lire. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais l'offrir à mon père et puis cet été, quand j'irai chez eux, je le lirai. Voilà, on va faire ça. Et puis pour ma maman, je lui ai pris. Réconciliation d'Abdel Malik, parce que ma mère aime beaucoup ce que représente Abdel Malik et ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Elle aime beaucoup l'entendre parler. Et donc là, apparemment, c'est un regroupement de sujets sur lesquels il a écrit. Et c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, celui-là. C'est sorti cette année et c'est aux éditions Robert Laffont. Et. Voilà, la couverture là, il y a plein de reflets, c'est nul, mais elle est très belle. Faut dire que c'est un bel homme aussi, je trouve. Voilà, c'est pareil, ça m'intrigue aussi, j'aimerais bien le lire. Alors, on passe au Gilbert Joseph. Alors déjà, j'ai décidé, ça fait pas partie des achats, mais je vais lui offrir Final Fantasy parce que j'ai commencé à lire les premières pages et vraiment, j'adhère pas du tout. Et comme il est neuf et tout, lui, je pense que ça lui plaira plus qu'à moi. Il connaît peut-être déjà aussi l'univers, donc parce qu'en fait, c'est une histoire parallèle en fait au manga qui existe déjà, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Et je lui ai pris aussi, alors là c'est pareil, je meurs d'envie de le lire, je me demande si je vais pas essayer de le lire sans l'abîmer. Le premier tome de Quartier Lointain de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman. Voilà. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne sais pas, mais je sais juste que il est plébiscité. Alors j'ai vu qu'il y était en fait, et il est sorti relié avec l'intégralité du manga. Mais je ne l'ai pas pris, je me suis dit que je ne sais pas trop si ça va lui plaire en fait. Donc voilà, j'ai pris le premier tome. Et puis si ça lui plaît, je lui achèterai la suite. Voilà. Puis j'avais envie de lui offrir plusieurs bouquins en fait. Et je lui ai pris une duologie manga qui s'appelle Dédale en deux tomes. Forcément, c'est une duologie. Et c'est l'histoire de ces deux filles qui. Elles se retrouvent enfermées dans un dédale, hein, voilà, dans un bâtiment en fait qui est fermé. Elles savent pas en sortir, donc elles ont juste un indice, un mystérieux message posé sur une table basse signée Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo qui semble en savoir long sur cet endroit. Et voilà, je me suis dit que franchement, ça a l'air pas mal. Et j'ai regardé ensuite en arrivant sur Babelio, c'est bien noté. Donc apparemment, c'est intéressant. Cet écrivain, c'est Takamichi, c'est aux éditions Doki Doki. Cet écrivain a écrit peu de livres, mais ils sont assez bien notés. Donc à voir si c'est chouette. Voilà. Et sinon, pour moi, j'ai pris deux mangas, deux premiers tomes de saga qui me font envie depuis longtemps, qui sont dans ma wishlist. J'ai pris le premier tome de Spy Family. Alors, il y en a pas mal déjà qui sont sortis. C'est de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Et franchement, ça a l'air trop bien. Le plus grand espion du monde, Twilight, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Apparemment, c'est trop chouette. Mais franchement, ça donne vraiment envie. Et puis j'ai pris aussi les carnets de l'apothicaire. Je crois que c'est Mrs. Bookermond qui en a parlé. Elle a lu l'intégralité parce que je crois qu'il y a le dernier tome qui est sorti de chez Kiyun Seinen. C'est de Itsuki Nanao et je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti ce premier. Je ne sais pas. Mais ah, les dessins sont super chouettes. Ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte de le lire. Je vous en dirai plus parce que je ne sais même pas. Je ne connais pas l'histoire. Voilà. Bon, bah alors je me suis fait deux petits plaisirs. Hein. En fait, là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'arrêter d'acheter des livres. Ce mois de mai, c'est une catastrophe. J'ai une pile à lire assez conséquente maintenant, il faudrait que je vous la montre. Donc, je pense qu'on est bien. Ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas m'acheter de nouveaux romans tant que j'aurai pas lu 7 livres de ma bibliothèque. Donc ça, je l'ai dit. Alors, les mangas, je ne compte pas. Les BD non plus, mais vraiment les romans, c'est pas le même prix. Hein. Les beaux romans, on est plus dans l'ordre de 20 euros. 15 à 20 euros. Donc du coup, j'ai dit que j'en achetais pas de nouveau tant que j'en avais pas lu cette. Voilà. Je sais pas comment vous faites vous, mais voilà. Sinon après, ça déborde et puis on a envie de tout lire et puis on est frustré quoi. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Moi, je continue la lecture du dernier elfe. J'en ai pas lu beaucoup, mais en fait, c'est un roman jeunesse et ça me plaît beaucoup. Donc je suis contente. Je vais le lire ce week-end et voilà. Donc, je vous ferai un petit point quand j'espère pouvoir le terminer ce week-end et vous en parler avant de fermer le vlog. Bon, vendredi, il est 14h et le facteur vient de sonner parce qu'il avait des clés pour moi dans ma boîte à lettres et que ça n'allait pas forcément rentrer. Et comme ça, là. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, je sais ce que c'est et je suis trop contente parce que ça, c'est un nouveau partenariat avec une maison d'édition que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Donc, je suis vraiment super contente, super honorée. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un livre. Je ne sais pas. Ah, mais si!
Ça y est, je sais ce que c'est parce que j'attendais depuis un moment. Donc oui, c'est pour le carnet de lecture. C'est une boutique que j'ai découvert grâce à Petite Lectrice, je crois. Ouais. Et alors, je suis allée sur le site quand elle en parlait, quand je regardais sa vidéo, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Oh là, vous êtes tombée. Pardon. Vous êtes tombé, donc c'est trop mignon. J'ai vraiment craqué sur la boutique et je vais vous montrer du coup. On va commencer par ça. Donc c'est une fille qui fait des illustrations très belles. Oh là là, mais regardez, regardez comme c'est joliment présenté. Vous la connaissez certainement. Je crois que c'est une personne que Petite Lectrice. Je ne connais pas son prénom de Petite Lectrice. Vous connaissez Estelle? Oui, je ne sais plus. Et en plus, j'ai moins 10% sur une prochaine commande. Donc en fait, elle faisait des, il y avait des promos sur son, sur sa boutique et son pseudo c'est Adelicha Création Papeterie et c'est sur Etsy. C'est vraiment adorable. Je sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être le filmer. Ouais, enfin non, je le filmerai ensuite, je ferai une petite photo. Et je suis très très contente. Alors il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Que je vais offrir dans le cadre de calendrier de l'Avent, je pense. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Déjà, il y a une petite image comme ça que j'ai pas commandé, merci, qui est imprimée sur un papier photo. Elle est vraiment très très belle. Donc je vais la garder, essayer de pas l'abîmer. Et un petit mot. Merci de soutenir les petits créateurs. À bientôt sur Etsy, Adèle. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir parce que je te taguerai sur la... Je mettrai le lien vers sa boutique en dessous parce qu'effectivement, c'est chouette. En plus, elle a beaucoup de talent. Vous allez le découvrir avec moi si vous ne la connaissez pas. C'est très bien présenté. Alors, il faut d'abord que je choisisse ce que je vais garder pour moi. Et ce que je vais offrir. Donc ça, c'est ce que je vais offrir. Et par exemple, dans son enveloppe, elle met en fait un carton comme ça. Ce qui fait que ça ne se plie pas. C'est très intelligent. Hein? Voilà. Une personne qui a compris comment ça fonctionne. Et tout est très bien emballé, très joliment emballé. Donc ce sont des marque-pages. C'est pareil, je vais. C'est par collection. Les deux formats, il y en a certains qui vont être offerts. Voilà le premier. C'est très beau. Derrière, c'est blanc. Hein. C'est très très beau. Très bien fini. Et alors, j'ai pris un petit comme ça. Vous voyez, elle met des petits autocollants. C'est vraiment adorable. Je peux pas rester trop longtemps parce que je travaille, les gars. Je travaille. Cet après-midi. Sans que c'est vendredi. Hein. Et alors un autre, mais vraiment là, une autre série qui est plus petite. Je vous montrerai après, je ferai un comparatif. Mais les illustrations me plaisaient beaucoup. Donc là, il y a un petit chat noir qui regarde vers le haut. Ça me représente assez bien. Je trouve que les trois me représentent assez bien. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'aime, quand je me pose pour bouquiner, il y a tout ce que j'aime, quoi. Hein, voilà, un petit chocolat chaud avec des marshmallows. C'est trop mignon. Vraiment super mignon. Voilà, je suis très contente. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir sa boutique. Je vous remontre. Donc, je mettrai son pseudo Etsy. Et ouais, je suis vraiment heureuse de ma commande. Trop jolie. Voilà. Et alors, sinon, le second pli, je rangerai après. Le second pli, ce sont les éditions Inceptio qui me l'a envoyé. Une maison d'édition dont j'ai entendu parler sur plusieurs booktube. Et je suis allée voir, en fait, j'ai trouvé que leur livre était très beau. Et je suis allée voir, en fait, il y en a un particulièrement qui me tentait. Et donc, je leur envoyais un petit mot, pas forcément en pensant que...
qu'ils allaient m'envoyer quelque chose. Et Ophélie, je crois, c'est ça qu'elle s'appelle, m'a répondu très gentiment et favorablement. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir découvrir leurs livres et vous faire découvrir leur maison d'édition. Donc je viens d'ouvrir le pli et déjà je constate qu'elle m'a envoyé plein de marque-pages, justement. Il y en a plein avec des nouveautés, donc c'est... Ah oui, en plus, derrière, il y a tous les résumés, donc c'est des illustrations. Ils misent beaucoup sur leur couverture et les illustrations. Et donc, il y a beaucoup de fantastique et de science-fiction. C'est une maison qui est spécialisée dans ce genre-là, de thriller aussi. Et le livre est trop beau. Voilà, donc c'est celui-ci. À la croisée des rêves, qui me tentait énormément, de Ellie Sohin. Ellie Sohin. Et vous avez vu cette couverture? Donc ça m'a plu. Voilà, parce qu'en fait, ça m'a fait penser au film Inception, dans lequel joue Leonardo DiCaprio. Et en fait, je suis allée voir parce que je ne sais plus qui l'a fait, ce film Inception, c'est Dom Cobb. Il est sorti déjà en 2010. Pour moi, c'était il y a 5 ans. Mais non, non, ça fait 11 ans qu'il est sorti, ce film, déjà. Le temps passe vite. Et donc, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on entre dans les rêves et il y a différentes couches. Des myriades, là, on parle de dimensions parallèles. Et voilà. Donc ça a l'air trop bien, je vous en dis pas plus parce que moi j'ai pas envie de me spoiler non plus. C'est un livre qui fait combien de pages? 320 pages. J'aime beaucoup la case et vous avez vu comment sont écrits les numéros de bas de page. Voilà, donc c'est vraiment une belle maison d'édition. C'est écrit assez serré. Bon, je vous montre ça, mais moi ça me dérange pas du tout. Oh, il y a un énorme bourdon. Voilà, donc ça, je suis très très heureuse de l'avoir. Et donc là, elle m'a envoyé aussi le petit dossier de presse. Voilà, donc en fait, c'est pas un service presse, hein, mais j'ai pas d'obligation de lire, bien entendu. Je ne suis pas payée pour lire dans ces partenariats. L'idée, c'est que moi, je leur dis, bah, en fait, j'aimerais bien découvrir votre maison d'édition et en parler sur ma chaîne. Et c'est ce que j'ai envoyé là comme message. Et petit à petit, je pense que c'est ce que je vais faire en découvrant les maisons d'édition. Je vais essayer de les contacter parce que je trouve ça bien. En fait, c'est un échange entre nous, notre moyen de communication, et eux, leurs produits. Donc, l'idée, c'est que... On parle de leur maison d'édition, donc ça vous intéresse, et ensuite on lit, on dit ce qu'on en pense, et si ça nous a plu, tant mieux. Voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. Voilà. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, ils disent que c'est un roman fantastique aux accents de thriller, donc pour moi ça peut fonctionner. Il est sorti le 14 mai 2021. Il est au prix de 18,90 €. En tout cas, voilà, j'ai hâte de le lire. Je suis très contente. Merci beaucoup à Inceptio pour cet envoi. Et je serai très heureuse de le découvrir prochainement. Hello du samedi soir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai passé une bonne après-midi. J'ai fait de la teinture. J'ai fait de la teinture tout l'après-midi. Enfin, une bonne partie de l'après-midi. Là, du coup, je suis un peu HS. Donc, je me pose. Et je bouquine. Je voulais juste vous chroniquer rapidement mon avis sur les voleurs de fumée parce que je vous ai déjà expliqué l'histoire. J'ai fait une petite chronique sur Instagram si vous voulez un peu plus de précision. Disons que globalement, c'était une lecture agréable, mais qu'il y avait certains passages qui m'ont semblé un peu facile. Bon, après c'est de la littérature young adulte, jeunesse, je sais pas si young adulte, je pense, avec une romance, plusieurs romances, certains personnages que j'ai trouvé un petit peu creux, ce que je vous disais, Ambrose m'a pas particulièrement interpellée. Mais les autres personnages plutôt sympathiques, les filles, les deux filles sont plutôt chouettes. La princesse Catherine, je l'aime beaucoup. Et la petite jeune chasseuse de dragons, chasseuse de fumée de dragons. De dragons, pas du tout. Fumée de démons. Tash,
très chouette, très indépendante. J'ai trouvé que leur rôle justement de recherche d'indépendance était vraiment intéressant d'un point de vue féministe. Donc ça, c'est plutôt une jolie vision des choses qui est donnée à lire aux jeunes. Mais finalement, au détriment de certains personnages masculins un peu plus vides. Voilà. Sinon, j'ai trouvé que l'intrigue était bien ficelée, c'est bien fait. On comprend rapidement où se situe qui et les trajets de ces personnages, l'histoire de famille de ces personnages. C'est assez simple, finalement. On est loin des livres de fantasy ou de fantastique que j'ai pu lire, comme La Horde du Contrevent ou celui que j'ai lu, là, de. Comment ça s'appelle? Samantha Shannon. Ouais, on est un petit peu loin de la qualité, je trouve, finalement, alors qu'on aurait pu retrouver peut-être un peu plus de description. J'ai trouvé que les univers étaient rapidement décrits. Et que ça manquait un peu, finalement. Mais cette couverture, elle est trop belle, hein. Trop belle, trop belle. Et voilà, mais ça, c'est un premier tome d'une trilogie, donc ça trace le contexte. Finalement, moi, voilà, j'ai trouvé que le début était pas mal. J'ai trouvé que certains personnages étaient attachants. Je trouvais que le milieu était un petit peu long. Et j'ai trouvé que les déplacements étaient rapidement décrits. Là où on pourrait justement, enfin dans le voyage, il se passe toujours plein de choses. Souvent, là, ils allaient d'un point à l'autre rapidement. Voilà, mais ça, c'est une critique. Voilà, je suis pas non plus une experte en fantasy. Franchement, je peux vous conseiller de le lire. Hein. C'est pas, ça m'a bien plu. Hein. C'est de Sally Green. C'est aux éditions J'ai lu et ça se lit bien. On reste accroché. Voilà, j'ai lu la fin avec plaisir, mais pas, j'ai rien découvert de très surprenant à la fin non plus. Vous voyez, je suis pas certaine que j'irai la suite. Mais bon, si je tombe dessus, voilà, on verra. Mais plutôt pas mal. J'ai mis une note de 3 sur 5 sur Babelio. Ouh là, je suis très blanche là. Sinon, hier, j'ai pas pu m'empêcher de le lire. Voilà, mais en faisant très attention de ne pas l'abîmer. J'ai lu Quartier lointain, le tome 1 de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman, qui date en fait d'il y a un moment, des années 90. Ouais, 1998, ce premier tome. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Ça m'a conforté dans l'idée qu'effectivement c'est une saga qui est vraiment chouette. L'auteur est décédé au début des années 2000 et il a écrit plusieurs choses. Et franchement trop chouette. Une histoire. Alors je peux vous raconter l'histoire parce qu'on y arrive très rapidement. C'est l'histoire de ce personnage qu'on suit au départ, qui est donc adulte. Il a 48 ans, si je ne me trompe pas. Il est marié avec des enfants. Finalement, il est dans un train-train quotidien. Voilà. Mais une nuit, il est un petit peu. Il est un peu trop bu. Il sait plus trop. Où il est, il va prendre son train, puis finalement il se retrouve dans le train qui ramène dans sa ville natale. Parallèlement, on comprend que sa mère est morte assez jeune et que son père est parti. Enfin, qu'il a disparu, son père, il est parti une année pendant qu'il était enfant. Et donc il se retrouve dans sa ville natale et il va sur la tombe de sa mère. Et là, le vent se déchaîne. Il se passe un truc incroyable. En fait, il se retrouve dans sa peau de quand il avait 14 ans. Voilà, donc ça, c'est l'intrigue avec des histoires de famille derrière. Et puis, il se rend compte petit à petit, bon, il va vivre sa vie parce que de toute façon, il s'endort et il se réveille toujours dans sa peau d'adolescent. Finalement, il va se passer des choses au quotidien qui vont peut-être changer le futur. Voilà. Et vraiment trop chouette, mais surtout que là, c'est pas si simple. Il y a plein de petits trucs sur les rêves, sur le fait d'être adulte dans un corps d'enfant. Il y a des situations marrantes, terrifiantes. C'est vraiment tout un éventail
voilà, de parcours personnel très intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si ça nous arrivait, quoi. C'est ça que ça donne envie de se poser comme question. Beaucoup aimé. Et là, je suis en train de lire Le Dernier Elfe de Sylvana de Marie aux éditions Albin Michel, qui lui aussi est sorti il y a un moment, que j'ai emprunté à ma bibliothèque. Je vous l'ai déjà dit. Date de 2004. Et j'ai déjà lu le premier livre, parce qu'il y a plusieurs livres, en fait. Enfin, il y a plusieurs livres. C'est pas des livres, c'est des... Ouais, si. Donc là, je suis au livre second. Donc j'ai déjà lu l'histoire de cet elfe, Yorsh, qui se retrouve être le dernier elfe qui en fait part de... Il était élevé par sa grand-mère, et sa grand-mère, un jour où... On le voit pas, hein, mais un jour où il y a une forte inondation, elle lui a dit de s'enfuir, alors que c'était le dernier habitat pour les elfes. Donc il se retrouve complètement perdu, mais il va être aidé par une femme et un chasseur qui vont le prendre sous leur aile, et qui vont l'aider à aller rejoindre, en fait, il doit aller rejoindre un dragon pour accomplir une prophétie et mettre fin à une ambiance de pluie et de froid qui est là depuis des années et des années et qui décime toutes les populations et les fragilise. Voilà, donc je ne vous dis pas la suite. Et donc là, en fait, ça c'est son ultime but. Et finalement, à la fin du premier livre, on sait s'il y arrive ou non. Et le second livre, ensuite, part sur une autre histoire. On le retrouve adolescent. Et franchement, comment dire, c'est un livre à part. Je le trouve extrêmement poétique. Alors, c'est un livre jeunesse, hein. C'est extrêmement poétique. C'est bien écrit. C'est original. Et on s'attache à ce... Moi, j'ai ri, en fait. J'ai beaucoup ri. On s'attache à cet elfe qui est d'un autre peuple qui est très évolué. Là où les hommes, là, à cette époque-là, ne savent plus lire, ils ont tout perdu. Ils se retrouvent chasseurs, voleurs. Lui représente la science, l'intelligence... Il ne parle pas comme les hommes, et donc on se retrouve dans des situations d'incompréhension entre les hommes et les elfes, trop chouette. On rencontre un dragon aussi qui est particulièrement atypique, et on comprend pas, il a rien à voir avec la figure normale du dragon. Je m'amuse bien, finalement, il est plutôt chouette ce livre. Voilà, je me laisse porter. C'est pas un page turner parce que j'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais j'y reviens avec plaisir et ce sera ma lecture bonbon du week-end. Et je vous dirai finalement ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé, et ça conclura ce vlog. Je voulais juste vous dire pour terminer que hier j'ai mis en place un groupe Facebook pour pouvoir organiser des lectures communes, ce qui m'a été demandé en commentaire sous mes derniers carnets de lecture, puisque comme j'ai partagé ma palle, tout ça, il y a pas mal de personnes suite à ma demande, en fait, hein, parce que j'avais dit, s'il y a des lectures que vous voulez qu'on fasse en commun, n'hésitez pas à me dire. Donc du coup, j'ai créé ce groupe Facebook. Je vous mets ici le petit nom du groupe, donc c'est EV3-lecture commune. Et en dessous, en lien, je vous mettrai l'accès au groupe. C'est un groupe privé. Voilà, donc il faut simplement qu'on soit... Je pense qu'il faut qu'on soit amis sur Facebook pour que ce soit... Que vous puissiez y accéder. Sinon, il faut faire une demande d'adhésion. Et moi, je la valide, voilà. J'ai décidé qu'on commencerait les lectures communes à partir du 7 juin. C'est ça, hein. Pour une première lecture commune qui est le livre des deux chemins de Jodi Picou, et on le lira sur 15 jours, si le planning vous va. Ça fait à peu près 60 pages par jour. Si c'est trop, faut pas hésiter à me le dire. Alors j'ai essayé de faire un planning où il y a des jours, genre le week-end ou le mercredi, où on peut lire pas mal, et puis j'ai mis des jours où on a des petites respirations, où il y aura moins à lire, pour essayer
Voilà, ceux qui ont repris un peu de retard pourront se rattraper à ce moment-là. Mais je ne sais pas, en fait, j'ai jamais organisé ça, donc n'hésitez pas à me dire si ça convient ou non, s'il faut rallonger un peu. Moi, ça ne me dérangera pas. C'est un livre que je peux lire sur un peu plus longtemps si besoin. Et puis, de toute façon, on peut quand même partager en dessous, même si on ne suit pas le rythme des 2 semaines. Vous pouvez très bien le lire sur un mois et participer aux discussions aussi. Hein. C'est juste que c'est vrai que moi, quand je commence un livre, j'aime bien quand même pouvoir le lire assez rapidement, parce que j'ai du mal à passer à un autre, finalement. Mais là, je pense qu'avec ce rythme de 2 semaines, de toute façon, j'en aurai un autre en parallèle. Voilà, c'est un essai pour moi, mais j'espère que ça vous plaira et j'ai hâte en fait de pouvoir lire avec vous et puis faire cette expérience-là que j'ai déjà fait sur la Horde du Contrevent. On était 3, puis finalement 4 et voilà, donc c'était chouette de se motiver. Surtout, en fait, là j'ai pris des bricasses, on va dire, et j'ai prévu aussi qu'on irait Captive peut-être de Margaret Atwood aussi en lecture commune, ça sera après, j'enchaînerai je pense. Et puis j'ai mis également le Pachinko de Min Jing Lee, qui est aussi une belle bricasse, et qui est comme aussi un livre sur un parcours de vie qui à mon avis peut se lire de façon plus longue, vous voyez. Voilà, bref, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je reviendrai vous voir demain ou lundi pour vous dire ce que j'en ai pensé. Demain, j'aurai peut-être pas le temps de venir vous voir parce qu'il y a mes parents, il y a la famille qui vient à la maison pour fêter mon anniversaire et l'anniversaire de mon neveu. Donc, du coup, je sais pas trop si j'aurai le temps de venir vous voir, mais on verra. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Du lundi 31 mai. Aujourd'hui, je suis une grande fille, c'est mon anniversaire. Voilà, c'était juste le petit truc. N'importe quoi, vous vous en fichez. Je viens de terminer de lire Le Dernier Elfe de Sylvana de Marie. J'ai pas beaucoup lu ce week-end parce que justement, ben, j'ai revu un peu de famille et donc on a passé du temps en famille, donc ce qui fait que j'ai pu moins lire. Du coup, je l'ai terminé là, cet après-midi. J'avais très envie de le terminer parce que voilà, j'avais envie de conclure le mois de la fantaisie avec ça. Et je suis très heureuse parce que ça conclut parfaitement le mois de la fantaisie. C'est vraiment une belle lecture. Je vous ai dit à peu près ce que j'en pensais, mais ça confirme la subtilité des propos de l'écriture de Sylvana de Marie, que je ne connaissais pas. Et j'ai vu qu'elle avait écrit d'autres choses. Donc je pense que je regarderai ce qu'elle a écrit d'autre, parce que je crois que j'en ai mis un dans ma pile à lire justement sur Babelio. J'en ai noté un parce que ça m'a beaucoup plu, ça m'a touchée, j'ai beaucoup ri. J'ai vraiment été touchée aussi, le personnage de l'elfe est vraiment si original, et en même temps il y a beaucoup de subtilité, de douceur, de tendresse. Mais pas que, quoi. Il subit pas mal de choses. Et puis, comme en fait, il ressent toutes les émotions de tout le monde, notamment des animaux. Voilà, il ressent tout, en fait, en touchant. Du coup, il a une sensibilité exacerbée. Et voilà, ça m'a beaucoup plu parce que, bon, voilà, ça m'a parlé, quoi, tout simplement. Puis sa relation avec les hommes, avec le dragon, avec la population, le fait qu'il y ait toute une partie qui est très solitaire. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Donc, je voulais conclure avec ça. C'était parfait pour terminer le mois de la fantaisie. Et maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais là, pour le moment, ça va conclure ce vlog. Et je commencerai avec ma nouvelle lecture le prochain. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire le montage et on verra si j'ai le temps, parce que mes parents sont là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le filmer, de le monter et de le publier ce soir. Pas sûr, j'ai pas mal de boulot. Donc peut-être plutôt demain, voilà. Bon, et bah écoutez, une belle semaine de lecture de mon côté avec quelques mangas et 2 bouquins. C'était chouette. Ce mois de mai était vraiment riche
en découverte. Et d'ailleurs, je viendrai vous faire une petite vidéo pour vous faire un point sur le mois de la fantaisie et ce que j'en ai pensé. Et voilà. Bon, allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.